La simplicité, celui-là c'est mon préféré. La simplicité, c'est-à-dire l'art de maximiser la quantité de travail inutile, est essentielle. J'aime beaucoup cette phrase, d'abord parce que sa tournure est très particulière, mais elle démontre surtout que c'est quelque chose de proactif. En fait, on ne va pas être en train d'essayer d'éviter de faire du travail qu'on nous donne, on va surtout être à la recherche du travail qu'on n'aurait pas à faire. Typiquement, on vous donne une fonctionnalité, eh bien je vous invite à travailler avec le client pour débusquer tout ce qui est finalement inutile. En fait, on pensait que c'était une bonne idée, mais finalement, c'est peut-être pas un vrai besoin, et puis peut-être que la façon de faire n'est pas la bonne, bah, tout simplement parce que mon client a une version, a une vision de ce que pourrait être une implémentation technique qui ne profite pas de toute l'expérience et l'expertise de mon équipe de développement. Donc le client, lui, on va lui demander d'exprimer simplement son besoin et de laisser l'équipe développer pour produire la réponse à son besoin. Autre chose, quand on va questionner le client sur ben, par rapport à ce besoin, c'est intéressant de comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y en a besoin? Pourquoi les utilisateurs en ont besoin? Oui, parce qu'ils m'ont dit qu'ils en avaient besoin. Oui, mais à quoi ça leur sert en fait? Et de continuer à creuser, creuser, creuser. Et vous retrouverez souvent des fonctionnalités qui en fait finalement sont inutiles, parce que déjà englobées par ailleurs, ou qui pourraient être facilement englobées par un autre processus qui existe déjà, et qui, en étant un petit peu modifié, éviterait de redévelopper tout un cycle complet de fonctionnalités.